crois que ça, c'est pas mal. Et prenez, je vous conseille, si vous avez une sangle auprès de vous, prenez également une sangle. On va un peu travailler avec une sangle, ce qui permet quand même de meilleurs étirements, en particulier au niveau des jambes. Donc voilà, on était là, pas trop loin de vous. Installez-vous, essayez d'avoir une petite mini bascule du bassin. Donc, vous vous asseyez sur le bord de votre, peu importe, support, coussin, bloc, tout ce que vous voulez, de manière à avoir cette petite bascule du bassin. Et puis, moi, je vous invite à prendre conscience de votre corps. C'est la journée du ressenti. Aujourd'hui, c'est une séance ressenti. Donc, le ressenti dans le yoga, c'est une des clés fondamentales. Voilà, ça c'est comme ça. Et c'est ce qu'on estime qu'on doit apprendre en premier lieu. D'accord? Donc, bien sûr qu'on peut apprendre à faire des postures. Mais ce qui est très important, c'est pour bien maîtriser ce qui se passe, de ne pas aller trop dans des niveaux d'inconfort, de ne pas se faire du tort, etc. C'est vraiment apprendre à sentir son corps, quand est-ce qu'on peut y aller, quand est-ce qu'on ne peut pas y aller. Donc, fermez les yeux, tirez bien la tête vers le haut, tirez légèrement les épaules vers le bas et vers l'arrière, donc légère rotation externe des épaules. Rentrez légèrement dans le menton, la colonne est bien droite, donc il y a un petit engagement là du dos, sans exagérer. Et puis, on prend conscience de sa respiration. Naturel. Et petit à petit, on va amplifier la respiration. Donc, on va commencer par expirer en rentrant légèrement le nombril et à inspirer en dilatant davantage l'abdomen. En fait, c'est en poussant avec le diaphragme vers le bas. D'accord? Ça que ça se dit là. Donc, expirez, rentrez. Inspirez. Poussez vers le bas. Dilatation, laissons faire l'abdomen. Dilatation tout à fait naturelle. D'accord? C'est ce qu'il faut apprendre à faire. Laissez l'abdomen se dilater naturellement. Souvent, on le contraint. Il faut apprendre à le maîtriser. Donc, expirez. Rentrez, 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 rentrez. Et inspirez, laissez l'abdomen se dilater. On va poser les mains au niveau de la cage thoracique, donc les pouces vers l'arrière, les mains, les doigts sur l'avant. Et pareil, donc on va d'abord expirer, donc on peut même pousser un peu avec les mains de manière à, si vous voulez, comprimez légèrement la cage thoracique, expirez, expirez, expirez. Et puis inspirez, travaillez l'avant, travaillez l'arrière, travaillez les côtés, ressentir que ça s'ouvre dans tous les sens. Essayez de ressentir, puisque je vous ai parlé des ressentis, que ça s'ouvre de la même manière à gauche, à droite, sur les côtés et à l'arrière. C'est pour ça que je vous demande de placer les pouces, essayez de vraiment ressentir ce qui se passe. Expirez à nouveau. On ne s'occupe que de la partie thoracique. Et à nouveau, inspirez. Et puis, on va relâcher. On va mettre les mains là, juste au niveau des clavicules. Les pouces sur les épaules. Et on va expirer. Rentrer légèrement les épaules vers l'avant. Rapprocher les coudes. Rentrer le menton. Expirer totalement. On s'occupe du haut. Et en inspirant, on ouvre progressivement, on tire les épaules vers l'arrière et vers le bas, on écarte les coudes, on ouvre la partie supérieure. Expirez à nouveau, fermez, 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 fermez. Rentrez le menton, ne pas hésiter à tirer légèrement sur la nuque en fermant, on étire en même temps, si vous voulez, le trapèze. Et puis inspirez. Et on va relâcher. On va pratiquer une respira deux respirations tout à fait complètes. Donc, commencez déjà par expirer. Rentrez le nombril. Comprimez légèrement la cage thoracique. Rapprochez légèrement des épaules. On ferme tout et on vide tout l'air qu'on a dans les poumons.
Et puis on inspire, on ouvre. À nouveau, on expire. Et on inspire. On va vraiment donner une amplitude maximale, beaucoup d'ouverture. Et à l'expire, on travaille la détente, on se relâche. Expirez. Encore un inspire. Ouverture, tirez bien les épaules. On a une belle ouverture de la cage thoracique et puis on relâche. On va travailler légèrement les épaules. Donc, on va monter en inspirant les épaules vers les oreilles et les descendre vers l'arrière. Donc, inspirez, montez les épaules et expirez, descendre à l'arrière. À nouveau, montez et expirez, descendre. À nouveau, inspirez, montez et expirez, descendre. On change de sens. Donc, on monte par l'arrière et on revient vers l'avant. Donc, il s'agit de rotation. On revient vers l'avant, essayez d'effectuer des belles rotations des épaules, de ressentir si tout va bien au niveau des épaules. Et si vous avez un problème, évidemment, il faut s'interroger un peu d'où ça vient. Voilà, il ne faut pas laisser les choses empirer. Voilà, relâcher. On va travailler la respiration Namasté, donc il y a maintenant une respiration en mouvement. Donc on a commencé à ouvrir la cage thoracique, travailler l'amplitude, l'ouverture, la détente. Fluidité. Et la respiration Namasté, ça va une étape plus loin. C'est-à-dire qu'il faut encore davantage aller vers l'ouverture, vers l'amplitude, vers la détente. D'accord? Donc, et ainsi que la fluidité. La fluidité, c'est quand évidemment, on essaye d'être harmonieux. Quand les bras montent, on essaie de coordonner. Donc, avant de commencer, tirez les bras en oblique, posez le bout des doigts de chaque côté sur le tapis, rentrez le menton, tirez légèrement les épaules vers le bas. On a une bonne assise, on doit sentir son ancrage au sol, donc les ischions, évidemment, sur, si vous voulez, sur le petit support. Et puis en inspirant, on va élever les bras. Et tirez vers le haut, donc on joint les mains, on croise les pouces. Et on tire vers l'arrière en tirant dans toute la mesure possible les bras vers le haut et on touche les oreilles avec ses bras. Et puis on va expirer, on va descendre les mains en namasté devant soi progressivement. Et en expirant totalement, on presse les mains jointes contre le sternum. Et ensuite, en inspirant, on va tirer les coudes vers l'arrière, rentrer le menton, faites travailler la zone. Juste à l'arrière, entre les omoplates, donc vous les rapprochez là à l'arrière. Et puis en expirant, vous allez monter les mains devant vous, passer au-dessus de la tête, gardez bien les mains jointes, essayez qu'elles ne décollent pas, et allez placer vos mains juste derrière la nuque. En inspirant, vous allez pousser avec la tête sur les deux mains, et de nouveau tirer les coudes en arrière. Prenez conscience du travail dans le dos, évidemment que ça engage les muscles dorsaux, également les deltoïdes, voilà. Et puis en expirant, on refait le chemin inverse et on vient positionner ses mains à nouveau à l'avant. En inspirant à nouveau, on presse les mains sur le sternum et on tire les coudes vers l'arrière. Essayez de garder les mains bien jointes, pressées les unes sur les autres. Donc, en même temps, il y a un engagement des avant-bras. Et puis, croisez, entrelacez les doigts et continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas, rentrez le menton. Videz tout l'air que vous avez dans le poumon. Si vous pouvez ajouter des contractions, c'est mieux. Donc, vous ajoutez la contraction du périnée, la contraction, si vous voulez, au niveau du diaphragme, ainsi que la contraction ici au niveau de la gorge. Et puis en inspirant, vous allez élever les bras devant vous. Et poussez, si vous voulez, les paumes de main vers le haut. À nouveau, si vous pouvez, toucher les oreilles avec vos bras de manière à avoir un bon étirement. Et puis expirez, repliez vos ailes progressivement, progressivement, progressivement.
à essayer que ça soit fluide, entrelacer les doigts à l'arrière, bomber le torse et regarder vers le haut. Et puis voilà. On se relâche bien, on bouge un peu ses épaules, la tête, micro-mouvement. Ça, c'est la phase micro-mouvement. Vraiment bien ressentir la détente qui s'installe dans le corps, la flexibilité, la fluidité. Et on va reprendre cet exercice un peu plus rapidement. Donc, bras tendus, on touche le tapis avec le bout des doigts et on inspire en élevant les bras. Étirer. Expirer, descendre les mains namasté. Inspirer, tirer les coudes vers l'arrière, presser les mains sur le stomac. Expirer, monter. Inspirer, tirer les coudes en arrière, pousser avec la tête sur les mains, sur les paumes de main. Expirer, chemin inverse. Inspirez à nouveau, coude vers l'arrière, engagez la zone entre les deux omoplates. Vous les rapprochez là, l'arrière, vous sentir le travail qui se fait. Expirez, entrelacez les doigts, poussez vers le bas et si vous pouvez pratiquer des contractions, hein, une après l'autre, racine, diaphragme et gorge. Et puis inspirez, élevez les mains, poussez les paumes de main vers le haut. Travaillez encore une fois un bon étirement, comme au réveil. On s'étire un peu droite, gauche, on peut faire un petit micro-mouvement. Et puis expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et relâchez. Voilà. On a commencé à bien s'éveiller. Je vais vous inviter à faire des rotations du buste. Donc, vous posez les mains sur les deux genoux et vous vous penchez en avant du côté droit, aussi loin que vous pouvez aller, d'accord? Et puis vous tournez vers le bas, vous allez vers la gauche, et puis vous montez, et puis vous revenez au centre, et puis vous redescendez vers la droite, descendez au plus bas que vous pouvez, allez, on y va, voilà. On tourne vers le bas, on rince le tapis si on veut, ou même pratiquement. Mettre sa tête sur le tapis, revenir. Encore une fois, expirer, on descend. On va raser le sol. Et puis en inspirant, on va monter. Regarde, quand je suis comme ça, mon bras droit est tendu. D'accord? Et ensuite, je reviens au centre. Ah ouais. On va changer de sens. Donc, on va se pencher vers la gauche. Bras droit tendu, main posée sur le genou droit. On étire bien tout ce côté. Et puis on va à nouveau raser le sol et inspirer, monter vers la droite. Expirer, baisser. Garder le bras droit tendu. Aller pratiquement le plus bas que vous puissiez aller. Hein? Il n'y a pas d'hésitation. Vous pouvez avoir le ventre sur la cuisse gauche. Ensuite, tourner. Progressivement et inspirer en montant. Et à nouveau, une dernière fois, expirez. On s'abaisse vers la gauche. Voilà, on descend au maximum de ses possibilités. Et ensuite, on va raser le sol et monter vers la gauche et se relâcher. Voilà. Donc, la flexibilité s'installe petit à petit parce que c'est comme ça, il faut la travailler, sinon c'est pas naturel. On s'engourdit très vite. Alors, on va travailler quelques étirements et torsions. Donc, tendez vos bras, le bout des doigts sur le tapis. Inspirez, élevez le bras droit et glissez le bras gauche sur le tapis. Étirez, 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 étirez. Jusqu'au moment où vous placez le bras droit sur l'oreille droite. Essayez de bien travailler cet étirement, de ressentir. C'est une séance de ressenti. Donc, ressentez comment ça travaille. Regardez éventuellement en direction de la main droite et essayez de pousser le sternum vers l'avant. Ne pas vous pencher en avant.
plutôt pousser le sternum vers l'avant. Quelques respirations. Et à chaque inspire, on travaille davantage l'ouverture de la partie intercostale droite. Et puis on va revenir poser la main droite sur le tapis. Ensuite, on va inspirer les bras gauche, glisser la main droite sur le tapis, amener le bras gauche sur l'oreille gauche. À nouveau, n'oubliez pas de pousser un peu le sternum vers l'avant et travailler avec des micro-mouvements, c'est-à-dire quand vous inspirez, vous tirez un peu le bras gauche vers le haut. Vous pouvez regarder dans la direction de la main gauche qui permet de mieux s'aligner et de bien ressentir cet étirement intercostal côté gauche. Ce n'est pas toujours pareil. On a parfois un côté, comme vous le savez, qui est plus ankylosé que l'autre, moins flexible. Il faut en prendre conscience. Ça veut dire que c'est un côté qu'on devrait davantage travailler. C'est ça que ça veut dire. On va travailler les torsions, donc des torsions gentilles. Donc, pas de torsion très très difficile. Donc, main gauche sur le genou droit et main droite juste à hauteur, si vous voulez, du sacrum à l'arrière. Alors, on va inspirer, on regarde toujours devant soi. Alors, regardez, je regarde devant moi, je n'ai pas encore tourné ma tête vers la droite ou vers l'arrière. Je regarde devant moi, mais j'inspire et je me redresse en poussant avec la main droite. Ma main gauche est bien ancrée sur mon genou. Et puis petit à petit, je vais commencer à tourner en commençant par le bas. Essayez de vous approprier cette torsion, si vous voulez, cette vrille progressive du bas. Donc je regarde toujours devant moi, je commence à tourner la zone lombaire, petit à petit la zone, si vous voulez, juste au-dessus des lombaires. Ensuite, la zone dorsale. Je commence à tourner la zone des épaules. Et en dernier lieu, je commence à tourner les cervicales. La tête et je regarde derrière moi. On va refaire une inspiration, donc en poussant avec la main droite, si vous voulez, à l'arrière. La tête, cette fois, est tournée vers la droite, donc on reste là, on s'étire vers le haut. Et en expirant, on essaie d'aller un peu plus loin. En expirant, on peut utiliser carrément la main gauche comme levier pour essayer d'aller un peu plus loin, vraiment dérouiller à fond, si vous voulez, nos vertèbres. Et tous ces petits ligaments qui, si vous voulez, les chouchoutent, et puis revenir. Alors, on relâche convenablement, on va aller mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On regarde toujours devant soi, je n'ai pas encore tourné, j'ai entamé aucune vrille. Au contraire, je vais inspirer, je me redresse. D'accord? Je pousse avec ma main gauche sur le tapis à l'arrière, juste à l'arrière du sacrum. Et puis petit à petit, je commence par vrille par le bas. Essayez vraiment de prendre conscience. Vrille avec le temps, ça vient très très bien. On arrive vraiment à faire cette vrille progressive qui monte sur vous. De cette manière-là, on se fait jamais de tort. Donc on commence petit à petit la vrille en bas. Je regarde toujours devant moi, au milieu du dos. Je sens que le milieu du dos commence à tourner, le haut du dos. Je commence à tourner petit à petit mes épaules. Et en dernier lieu, je tourne la tête et je vais regarder derrière mon épaule gauche. À nouveau, je vais inspirer en poussant avec ma main gauche et me redresser convenablement. Et en expirant, à nouveau, je prends appui avec ma main droite sur le genou gauche pour effectuer une belle rotation et relâcher. Bon, on a déjà bien travaillé en posture assise. Notre échauffement. On va allonger les jambes devant soi, donc on est resté quand même au moins 15 minutes en posture assise. Je vais vous inviter à effectuer un peu d'essuie-glace d'abord avec les pieds. Donc, là. On a le temps de bien remettre, si vous voulez, de l'huile dans les rouages. Et ensuite, ramenez les pieds vers vous. On va faire un essuie-glace au niveau, si vous voulez, des jambes et des genoux. Posez les mains juste à l'arrière. Et ce qu'on va faire, on va laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche. Voilà. Revenir au centre, on prend son temps. Laissez descendre la cheville gauche sur le genou gauche sur la cheville droite. Revenir au centre. Laissez descendre le genou droit sur la cheville gauche. Revenir au centre,
Laissez descendre le genou gauche sur la cheville. Voilà. Donc, voilà pour l'éveil. On va travailler maintenant un peu les étirements, si vous voulez, des tendons ischio-jambiers, mollets et bas du dos. Alors là, je vous invite à prendre votre centre si vous en avez une. Sinon, vous pouvez travailler avec vos mains, ce n'est pas non plus dramatique. Alors, on va d'abord ramener le pied droit dans toute la mesure du possible contre le talon, contre le périnée. Si vous sentez que votre genou est trop relevé, d'accord, normalement, idéalement, le genou peut se poser au sol, mais si vous sentez qu'il est comme ça et qu'il n'y a pas la flexibilité, n'hésitez pas. Mettez un petit support, d'accord? Dans n'importe quel sens, vous pouvez même le mettre là si vous sentez que c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, ce qui est important dans cette posture, je sais que ce n'est pas évident au début pour certains débutants, mais je pense que vous, ça va. Donc, c'est d'avoir une posture droite et de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de séance, d'avoir cette petite bascule du bassin vers l'avant, ce qui vous permet d'avoir le dos bien positionné, bien droit. Ensuite, on va commencer par passer la sangle parce qu'on va travailler l'étirement avec sangle. Si vous n'avez pas de sangle, simplement, vous allez saisir le pied avec la main. Passez la sangle dans le pied gauche, d'accord? Et on va commencer par, si vous voulez, saisir la sangle avec le bras droit. Idéalement, le bras gauche est tendu. Donc, vous essayez de ne pas plier le bras gauche, d'accord? Bras gauche tendu. Donc, choisissez la bonne longueur, que le bras gauche soit tendu. OK, voilà. Ça, c'est parfait. Et ensuite, vous allez décoller la jambe gauche du sol. D'accord? Donc, ça, c'est déjà un peu moins facile. Donc, vous décollez la jambe gauche du sol. Vous sentez déjà l'étirement de jambe. Ah, ischio-jambier, peu importe. D'accord? Bras tendu. Et ensuite, en inspirant, vous allez étirer le bras droit vers le côté droit. Je n'ai pas encore tourné la tête, la vrille, ça commence après, comme tout à l'heure. Et puis, petit à petit, en expirant, je vais tourner bas du dos, milieu du dos et en dernier lieu ma tête. D'accord? Et je vais regarder dans la direction de la main droite. OK, voilà, je regarde dans la direction de la main droite. Je vais inspirer, je vais bien me redresser, bien tirer sur la sangle. Et ensuite, expirer, je tourne. Je regarde dans la direction de la main droite. Je vais reprendre ça. Donc, inspirer, je me redresse. Hein, je tire sur la sangle qui tend bien ma jambe gauche. Et expirer, je tourne. Je regarde dans la direction de la main droite. Voilà, je relâche. Je pose mon pied gauche à terre. On n'en a pas fini avec le travail jambe gauche. On va simplement changer de côté. Donc, ce que je vais vous inviter à faire cette fois, c'est de saisir la sangle avec la main droite. Pareil, bras tendu dans toute la mesure du possible. Main gauche à l'arrière. OK? Donc, première opération, tendez la jambe. Ma jambe est tendue. Essayez d'avoir le dos bien droit. OK? Et ensuite, tournez, tirez d'abord le bras gauche vers l'arrière. Et ensuite, petit à petit, en expirant, vous allez entamer la vrille et vous tournez la tête en dernier lieu. Donc, vous tournez, tournez, tournez d'abord le bas, le milieu, le dos, et en fin de compte, vous tournez la tête vers l'arrière. Gardez la jambe droite tendue. À chaque expire, vous essayez d'aller un peu plus loin. Et puis vous relâchez. Si toutefois vous n'arrivez pas à décoller la jambe gauche du sol, ce n'est pas grave. Vous pouvez garder, ça n'influence que très peu, vous pouvez garder la jambe gauche tendue. Si vous voulez, le talon légèrement posé au sol. C'est mieux de décoller, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Voilà. OK, on va changer de côté. Donc, on va allonger la jambe droite, ramener le talon gauche contre le périnée, le mettre, si vous voulez, poser le genou gauche en hauteur si vous pensez que c'est nécessaire. Gardez votre petit support si vous pensez que c'est utile pour la petite bascule du bassin. Passez la sangle à l'intérieur du pied droit. Hein? Okay. Ou bien saisir. Hein? Vous pouvez saisir carrément le pied droit. Et puis vous travaillez de cette manière. Donc c'est faisable aussi. Hein?
Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vous conseille les sangles parce que ça permet franchement des meilleurs alignements. On est sûr qu'on ne se plie pas en quatre en faisant, si vous voulez, les choses de travers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Il faut d'abord décoller la jambe. Mais comme je viens de vous dire, si vraiment c'est trop difficile pour vous, ne décollez pas la jambe. Vous la décollez si vraiment c'est une chose que vous arrivez à faire. Il n'y a pas à tout prix à décoller la jambe. Et puis, vous allez tirer le bras gauche à l'arrière, d'accord? Voilà, autant que vous pouvez. Et puis, en expirant, vous allez petit à petit effectuer la rotation. Allez regarder derrière l'épaule gauche. D'abord, tournez le bas, le milieu, le haut, et regardez dans la direction de la main gauche. Gardez la jambe droite bien tendue. Essayez de rester aligné, donc la jambe n'est pas trop à droite ni à gauche. Et puis on revient tranquillement pour changer de bras. Donc ici maintenant, vous allez saisir la sangle avec la main gauche. Hein. Vous allez décoller la jambe si vous pouvez. Hein. Et ensuite, tirer le bras droit à l'arrière. Et ensuite, seulement ensuite, commencer la rotation du corps petit à petit. Tirez le bras droit vers l'arrière, regardez dans la direction de la main. OK. Plusieurs expires. Et ensuite, on revient. Et on a ainsi bien travaillé l'étirement, si vous voulez, des jambes, également des bras, des épaules, parce que quand vous tirez comme ça sur la sangle, vous étirez également une partie de l'épaule. On va aller faire du travail sur le ventre, d'accord? Donc le cobra et quelques variations, ainsi que la sauterelle. Alors, donc, on va se mettre donc sur le ventre et on va d'abord commencer par le cobra. Alors, le cobra, vous n'êtes pas obligé de déployer. Justement, dans le cobra, on ne déploie pas complètement ses bras. Je le répète, parce que j'en ai vu parfois qui essayent de déployer complètement les bras. Ce n'est pas ce qu'on doit faire dans le cobra. Donc, mettez-vous déjà à plat ventre. Et on se relâche déjà. Laissez le corps prendre conscience, si vous voulez, de cette posture de crocodile. Front sur les deux mains. Micro-mouvement des hanches. Alors, le cobra, les mains sont en hauteur des épaules. On serre les coudes contre le corps. Le menton, dans un premier temps, sur le tapis. Et vous allez serrer les pieds les uns contre les autres. Serrer l'intérieur des cuisses, d'accord? Et vous allez expirer et vous travaillez d'abord cette zone. Donc, vous expirez et ensuite, en inspirant, vous allez petit à petit élever, si vous voulez, le thorax, serrer les coudes contre le corps. À nouveau, expirer, travailler le bas, serrage. Et inspirer, tirer les épaules vers le bas, rentrer le menton. Le but n'est pas de s'élever très haut, en cobra, ce n'est pas ça. Le but, c'est de travailler certaines zones du dos et de la colonne, également nos épaules un peu. Donc, expirez, travaillez le bas. Et inspirez, ouvrir le haut, absorber l'énergie. Et puis, on va mettre les mains juste sur le tapis et se relâcher. On va travailler la sauterelle. Donc, on va se préparer à la sauterelle avec un travail alternatif. Donc, je vais vous inviter à allonger les bras devant vous, front sur le tapis. D'accord? Et on va, en expirant, élever la jambe gauche et le bras droit. Et on va essayer de tenir 10, 9, 8. 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en expirant, vous posez tranquillement le bras droit et la jambe gauche. Relâchez-vous un peu. D'accord, donc. À nouveau. Élevez le bras gauche et la jambe droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Et on se relâche. On va mettre les bras le long du corps et poser les paumes de main sur le tapis. Et on va à nouveau travailler alternativement une jambe puis l'autre, ou puis les deux. Donc, expirons et élevez la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez. Inspirez et en expirant, élevez la jambe droite. Engagez bien le bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez-vous, bras le long du corps. Posez bien les paumes de main au tapis. On va essayer d'élever, si vous voulez, les deux jambes sans plier les genoux dans la mesure du possible. Donc, on expire, on élève les deux jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, pause. Relaxation en crocodile. Et ensuite, on va aller chercher la pose de l'enfant, étirez-vous en posture de l'enfant, front sur le sol. Posez dans la mesure du possible les fessiers sur les talons. Je vais en profiter pour aller faire un petit pipi. Bon, de la posture de l'enfant, on va venir se mettre à quatre pattes. On va à nouveau assouplir un peu son dos. Donc, on va travailler la vache. Donc, on plie légèrement les coudes. On inspire et on regarde devant soi en inspirant. Et en expirant, on va poser les mains sur le bout des doigts, pousser le dos vers le haut, arrondir le dos, menton sur le sternum. Et à nouveau, inspirez. Vache. Creusez bien le milieu du dos. Et puis expirez. Revenir. On va, de cette posture à quatre pattes, aller vers le chien tête en bas. Donc, pointez vos orteils au sol. Et vous allez détendre vos jambes, mais pas complètement. Vous ne dépliez pas complètement les genoux. Voilà. Mes genoux sont légèrement
Si vous voulez plier la tête entre les bras. Et je vais pousser en posture du chien tête en bas, mes fessiers vers le haut. Donc ça, c'est la première opération. Travaillez ça plusieurs fois par micro-mouvement. Donc je pousse mes fessiers vers le haut et je ne tends pas encore mes jambes. Mes genoux sont pliés. Ensuite, je vais commencer à effectuer des petits pédalages avec mes jambes. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Voilà. Voilà. Ensuite, essayez vraiment de bien étirer les deux jambes. Essayez de rapprocher un peu les talons du tapis sans forcer. Et si vous pouvez, marchez avec les jambes tendues pour les amener à l'intérieur des deux mains, laissez pendre la tête, relâchez bien le cervical, d'accord? Si vous avez mal dans le dos, pliez légèrement les genoux, sinon laissez, si vous voulez, poser les mains légèrement au sol, le bout des doigts légèrement au sol, des micro-mouvements de la tête, vous pouvez effectuer des mouvements de balancier. Et puis en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias, sur les jambes et se redresser. On va travailler la posture classique d'équilibre de l'arbre. D'accord? Donc, commencez par bien ancrer votre pied droit dans le sol, par une petite vrille du genou vers la droite. Là, vous devez sentir votre pied droit qui s'entre progressivement dans le sol, vos orteils, le bord extérieur, le talon. Quand votre pied droit est bien ancré dans le sol, et que vous ressentez toute la surface du sol, vous êtes à peu près prêt, et vous allez poser le pied gauche sur le pied droit, écarter les bras de manière à vous servir des bras comme balancier. D'accord? Voilà. Si vous sentez que vous n'avez pas de problème, vous pouvez même monter le pied à hauteur du mollet droit, le pied gauche à hauteur du mollet droit. Carrément le monter, si vous voulez, au niveau du périnée, le talon gauche au niveau du périnée. Et ensuite, main en namasté. Et commencez à travailler, si vous voulez, si vous avez la stabilité, cette posture. Dans le calme, tirez les coudes vers l'arrière, les avant-bras à l'horizontale, poussez sur les mains, tirez le genou de manière à avoir une bonne ouverture, si vous voulez, du bassin, rentrez le menton. Si vous le sentez, vous pouvez élever vos bras, touchez les oreilles avec les bras, tenir. Cherchez le calme. Si vous voulez aller même plus loin, vous pouvez fermer les yeux. Et puis petit à petit, revenir, poser les mains en namasté. Et toujours avec calme, déposer le pied gauche au sol. Vu qu'on a fait travailler le genou droit, le double de ce qu'il fait habituellement, on va le relaxer un peu, relâcher bien le genou droit, le genou gauche. Et donc, on va maintenant travailler l'autre côté. Ancrez bien notre pied gauche dans le sol. Rotation extérieure du genou vers l'extérieur, de manière à ce que vous sentiez vraiment bien cet ancrage du pied gauche au sol. Les orteils, le bord extérieur. Je le répète souvent, c'est pour ça que souvent on n'arrive pas à faire du bon équilibre. Les pieds ne sont pas bien ancrés au sol. Après, on a des déformations morphologiques, ça peut arriver. Des problèmes d'arche, des problèmes d'affaissement, etc. Mais si votre pied est normal, il faut prendre le contrôle. S'il n'est pas normal, il faut essayer de corriger. OK. Quand vous avez fait ça, posez simplement le pied droit sur le pied gauche, bras à l'horizontale, cherchez votre équilibre, tout simplement. S'il n'y a aucun problème,
Posez le pied droit sur le mollet gauche. Commence à bien ouvrir la hanche droite. Et si vous voulez vraiment aller un peu plus loin, posez le talon gauche, le talon droit contre le périnée. Ouvrez convenablement la hanche. Ensuite, on va fermer. Main en namasté au niveau du sternum. Les bras à l'horizon, des avant-bras à l'horizontale. Voilà, on rentre le manteau. Voilà, on cherche la posture avec des bons alignements. Et puis en inspirant, si on peut, si on a toujours l'équilibre, on monte les bras vers le haut. Les mains, les bras, excusez-moi, les bras contre les oreilles. Voilà. Et puis petit à petit, revenir tranquillement en expirant avec les mains à hauteur du sternum. Et puis relâcher tout doucement, poser le pied droit au sol. Voilà, la posture d'équilibre, c'est apaisant. Donc, on va petit à petit aller vers la fin de la séance. On va travailler le squat parce que c'est une posture extrêmement importante. Je sais qu'il y en a qui ont horreur de cette posture, mais bon. Donc, écartez vos pieds suffisamment pour vous sentir à l'aise quand même dans la posture du squat. Après, si vous voulez, vous pourrez rapprocher un peu les pieds. D'accord? Donc, inspirez, levez les bras. Et en expirant, vous allez descendre les mains en namasté au niveau du sternum. D'accord? Et venir caler les coudes à l'intérieur des genoux. Essayez d'avoir le dos bien droit. Et de relâcher convenablement le bas du dos. De coller les mains sur le sternum. Relâcher. D'accord? Donc, l'engagement, quand on prend la posture, est intense. Mais une fois qu'on s'est installé, idéalement, il faut apprendre à relâcher. Voilà. Donc, essayez de relâcher. Éventuellement, vous pouvez même fermer les yeux, vous installer dans la posture. Ressentez le travail qui se fait, genoux, les adducteurs, zone pelvienne, éventuellement cheville. Tirez bien, essayez de vous dresser, donc ne soyez pas trop penché en avant. Si c'est trop difficile, pas de problème, posez les coudes des doigts. C'est voilà. Une posture un tout à fait intermédiaire, mais quand on apprend, il faut parfois commencer comme ça. Voilà. Et on va se redresser lentement, contrôler le mouvement et puis relâcher. On a vraiment bien étiré. On va travailler la déesse, est un bon enchaînement après le squat, étirement puissant des quadriceps. Bon, dans la période d'été, on marche beaucoup, on est beaucoup à l'extérieur, on a besoin de beaux quadriceps. Donc, tournez vos pieds vers l'extérieur, voilà, mais sans exagérer. C'est-à-dire, laissez-vous une petite marge d'erreur. Parce que si vous allez trop loin, vous allez voir, vous basculez à droite et à gauche. Donc, OK. Ensuite, pliez les genoux et gardez le dos bien droit. Vous devez vous imaginer que vous avez le mur derrière vous. Si vous avez un mur comme moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous coller au mur, d'accord? Sentir, si vous voulez, le sacrum au mur, le dos au mur, les épaules au mur. Et vous installez progressivement dans la posture de la déesse. Tu vois? Comme ça, vous savez à peu près si vous avez des bons alignements. Ensuite, vous allez écarter légèrement, plier les coudes, écarter les doigts, question de distribution d'énergie, plier les genoux, tester votre flexibilité. Et tourner petit à petit vos pieds vers l'extérieur. Sans que ça remette, si vous voulez, en cause votre équilibre, travaillez la rétroversion. Éventuellement, mettez la main droite juste au niveau, si vous voulez, du nombril et la main gauche à l'arrière, de manière à travailler un peu la rétroversion. Main, si vous voulez, et doigt écarté. On travaille bien la rétroversion, on sent l'engagement des quadriceps, et ensuite on peut mettre les mains en namasté, aligner les avant-bras, pousser avec les mains sur le sternum.
et des micro-mouvements. Je sais que c'est puissant. Et puis on se redresse lentement et on relâche. Voilà. Voilà pour nos petits cuisseaux. Ensuite, on va aller travailler la posture de la pointe des pieds, qui est une excellente posture pour nos chevilles et nos orteils. Ne pas oublier que nos orteils ont besoin vraiment de pouvoir s'étendre, être étirés. Donc la posture de la pointe des pieds, c'est aussi un incontournable. Inspirez, levez les bras. Et expirez, vous venez s'installer, les genoux sont joints, en posture, si vous voulez, de la pointe des pieds. Une fois que vous êtes installé, vous allez écarter petit à petit les genoux. Vous redressez, poussez les mains sur le sternum. Vous installez éventuellement sur les talons pour trouver un peu de stabilité. Cherchez la stabilité. Quand vous avez trouvé la stabilité, vous étendez les bras. Et vous laissez pendre les mains pour la posture de l'aigle. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Vous pouvez vous imaginer que vous volez à 300 mètres d'altitude en regardant un beau paysage. Et ensuite, posez les mains au sol et venir vous asseoir. Pour travailler la préparation de la charrue. D'accord? Donc, on va travailler la préparation de la charrue, qui est une excellente posture d'étirement du bas du dos et également des cervicales. Mais il faut bien la préparer. La charrue, ça se prépare avec soin. Et puis, on travaillera dans une contre-pose. Et puis, ben, voilà, on sera à la fin de la séance. Donc, allongez-vous sur le dos. D'accord? Relâchez-vous convenablement. On vient de travailler beaucoup en posture, assise, debout, sur le ventre, mais on n'a pas encore vraiment travaillé en posture sur le dos. Donc relâchez-vous bien. Essayez de prendre conscience du contact de la tête, des épaules, du milieu du dos, des lombaires avec le tapis. Et donc, on va ramener d'abord le genou gauche sur l'abdomen et en serrer le genou gauche dans les deux mains. Voilà. Première étape. Et donc, on va expirer et comprimer le genou gauche sur l'abdomen. Ça, c'est tout simple. Vous expirez et vous comprimez le genou gauche sur l'abdomen. La deuxième étape, vous expirez et vous poussez le talon droit vers l'avant. D'accord? Donc le talon droit devrait pouvoir décoller d'un petit millimètre ou deux. Juste de quoi décoller. Hein, il n'y a pas besoin de décoller comme ça. Juste un petit décollage. Et en même temps, vous comprimez, si vous voulez, le genou gauche sur l'abdomen. Vous ressentez le contact des lombes avec le tapis, le milieu du dos. Vous tirez également en expirant les épaules sur le tapis. Et vous bougez un peu la tête de manière à essayer d'amener petit à petit les cervicales au tapis. Il y a plusieurs choses dans cet exercice, ça n'a l'air de rien. Je sais très bien qu'on pratique parfois la va-vite, mais il faut essayer de pratiquer avec de l'attention, du professionnalisme et bien ressentir ce qui se passe. Donc, un, comprimer le genou sur l'abdomen. Deux, pousser le talon droit, décoller légèrement. Trois, pousser la tête. Tirez les épaules vers le tapis. Essayez d'avoir l'intégralité du dos collé au tapis. Évidemment, les dernières cervicales, ce n'est pas possible. Vous laissez inspirer et à nouveau reprendre. Allez, genoux, poussez le talon droit, poussez la tête, tirez les épaules. Et on relâche et on allonge la jambe gauche. Voilà, on a fait le travail préparatoire côté gauche. Alors on va maintenant faire le travail préparatoire côté droit. Relâchez-vous quelques instants avant de faire le travail de l'autre côté. Amenez le genou droit sur l'abdomen. Pareil, première étape, tout simple. Expirez, tirez le genou droit. Mais il faut vraiment tirer sur l'abdomen. Donc,
Ce n'est pas simplement flasque, il faut vraiment comprimer les organes abdominaux, hein, vider le sang féolé du foie, de la rate sur tout ce côté-là, du foie, pousser avec les genoux droits sur l'abdomen. Deux, en expirant, pousser le talon gauche. Il décolle légèrement, pas besoin de décoller beaucoup. D'accord? Et ensuite, tirer vos épaules vers le tapis, rentrez le menton de manière à essayer de coller un maximum de cervical. On va reprendre ça tranquillement. Un, genou, expirez. Deux, poussez le talon. Trois, tirez les épaules vers le tapis. Quatre, poussez la tête. Et puis on relâche. Et on va avancer la jambe droite. Voilà. Relâchez-vous convenablement. Faites un micro-mouvement. Droite, gauche. On va petit à petit aller vers la charrue. Alors, pour la charrue, on n'est pas tenu d'aller mettre ses pieds derrière la tête, non. Ce qui compte, c'est l'étirement du dos. Donc, l'arrondissement, un bon étirement de la colonne. D'accord? Donc, quand vous êtes allongé sur le dos, ramenez cette fois-ci les deux genoux. Enserrez les deux genoux et entrelacez les doigts. Rentrez le menton. Comme tout à l'heure, expirez, tirez, comprimez. D'accord? Voilà. On prépare. Et ensuite, vous allez mettre les deux mains à plat sur le tapis de chaque côté de vos hanches. D'accord? Et vous allez tendre petit à petit les jambes. Si vous n'arrivez pas à tendre convenablement les jambes, ce n'est pas grave, gardez-les légèrement pliées. Et ensuite, vous allez emmener petit à petit les pieds à l'arrière pour manger. Je suis mal. D'accord? Essayez de vous installer. Hein, je t'arrête. Revenez lentement. Gardez les jambes perpendiculaires, si vous voulez, au sol. Poussez avec les talons et tendez les bras vers le plafond. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On ancre le bas du dos dans le sol. En particulier, si vous voulez. La partie fessier. On pousse les talons vers le haut. On tire les mains vers le plafond et on ancre les épaules dans le sol. D'accord? Les jambes n'ont pas besoin d'être à la verticale. Elles peuvent être légèrement comme ça parce que si vous voulez que le sacrum soit bien collé au sol, les jambes ne seront pas de cette manière. Sinon, on décolle. Oui, je décolle. Donc, l'idéal, c'est d'avoir, si vous voulez, un bon contact avec le tapis. Tendez bien les talons, poussez avec les talons, poussez avec les mains. Tenir, on travaille les abdominaux. Posez les mains sur les abdominaux, vous verrez qu'on travaille les abdominaux. Et puis petit à petit, vous allez baisser les talons et vous relâchez. On est prêt pour travailler, si vous voulez, le demi-pont avec une jambe croisée. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, d'abord, vous êtes allongé, jambes allongées sur le dos. Prenez déjà quelques instants pour vous relâcher. Et ensuite, vous allez ramener les talons contre les fessiers. Saisir pied gauche avec main gauche, pied droit avec main droite. Ramenez les talons au maximum contre les fessiers. D'accord? Voilà. Vos genoux se touchent. L'intérieur de vos cuisses se touche. D'accord? Voilà. Donc, à la limite, si vous pouvez, les gros orteils se touchent également. Donc, un bon serrage. Ça, c'est important.
Ensuite, les bras légèrement en oblique et vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. OK? Voilà. Ensuite, vous allez prendre un expire. On inspire, excusez-moi. Et puis en expirant, vous allez monter, 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 monter le bassin. Serrez bien l'intérieur, si vous voulez, du périnée. D'accord? C'est une belle contraction en poussant vers le haut. Les mains sont collées au tapis. Et en inspirant, vous essayez d'ouvrir le haut. En expirant, si vous voulez, vous concentrez cette énergie que vous distribuez dans le chakra racine. Mais en inspirant, vous absorbez cette énergie. D'accord? Donc, expirez, montez. Donc, il faut vraiment avoir de l'engagement là. D'accord? On n'est pas à moitié comme ça. On pousse au maximum de ses possibilités. On presse son pied gauche dans le sol. On va sentir son pied gauche totalement ancré dans le sol. Les orteils, le dessous du pied, les talons. Donc, on pousse avec son pied gauche. On sait de son pied gauche entrer dans le sol pour pousser. Si vous voulez le périnée vers le haut, hein, vous travaillez cette rétroversion. Et puis petit à petit, on va poser vertèbre par vertèbre au sol, allonger les jambes et on prend un petit moment pour se détendre et se relâcher. Relâchez-vous totalement parce que c'est une posture qui demande de l'engagement, si on fait bien. Évidemment, c'est comme ça qu'on en tire les bénéfices. Si on ne le fait pas bien, on en tire la moitié ou le tiers de bénéfice. OK? Vous avez repris votre souffle, hein? Vous ramenez maintenant les talons contre les fessiers. Vous allez passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Plaquez les mains au sol. Ressentez l'ancrage du pied droit dans le tapis. Donc le pied droit, on doit sentir son ancrage. Ça, c'est un classique dans le yoga, mais bon, on perd vite de vue. On doit sentir ses orteils, sentir la zone arrière des orteils, sentir les talons. Donc, vraiment, cet ancrage dans le sol. Et en expirant, vous montez le bassin. Montez le bassin au maximum. Et ensuite, en inspirant, vous allez ouvrir le haut. Expirez. Envoyez cette énergie dans le chakra de base. La santé, là, si vous voulez, votre sécurité. Et en inspirant, vous ouvrez de manière à absorber un maximum, si vous voulez, d'énergie, de prana. Expirez, montez. Et inspirez, ouvrir, absorber un maximum. Une dernière fois, expirez, ancrez bien encore une fois votre pied dans le sol, poussez avec le pied droit sur le tapis. Et puis relâchez, vous descendez vertèbre par vertèbre au sol et vous allongez la jambe gauche, la jambe droite, les bras le long du corps. Et on est à peu près prêt pour la relaxation. C'est le moment d'une prise de conscience du corps. Rappelez-vous le thème de la séance qui est le ressenti. Donc à vous de ressentir chacune des zones de votre corps, l'importance qu'elle représente pour vous, peu importe. Le visage est très important pour certains, pour d'autres c'est le corps, pour d'autres c'est les jambes, pour d'autres c'est les pieds. Chacun, on accorde une importance différente et donc le ressenti est différent suivant les zones du corps. Donc concentrez-vous sur le visage, d'abord. Relâchez le front. Relâchez les paupières, relâchez les mâchoires, relâchez les joues. On relâche et on prend conscience de son visage, de l'acceptation de qui on est à travers son visage. Ensuite, on va s'occuper du cou. On va effectuer un micro-mouvement de la nuque à droite et à gauche. Voilà, on essaie de bien relâcher cette zone, qui est notre zone de non-dit, toutes les choses qu'on ne peut pas dire facilement, parce que sinon, ça serait parfois, on pense, à sa révolution avec nos voisins, nos proches, etc. Mais néanmoins, on peut s'exprimer avec
douceur et gentillesse, et dire quand même, exprimer ses besoins. Ensuite, les épaules. D'abord, l'épaule droite. Essayez de relâcher. Faire un micro-mouvement d'épaule droite, du coude droit, des doigts de la main droite. De l'épaule gauche. Coude gauche, doigt de la main gauche. On se relâche. On passe au dos. On prend conscience de son dos. On a beaucoup travaillé les muscles du dos aujourd'hui. Peu importe que c'était que ce soit dans, à travers la sauterelle, le cobra et d'autres. Donc le dos, si vous voulez, on lui a donné sa part. Et on en remercie, on manifeste notre gratitude au dos. Ensuite, un micro-mouvement des hanches, droite, gauche. De la jambe droite, le genou droit, la cheville droite. Les orteils, pied droit. La hanche gauche, le genou gauche, les orteils du pied gauche. On se relâche totalement. On se concentre uniquement sur la respiration abdominale, la dilatation de l'abdomen, le mouvement du diaphragme, tout simple. Et en même temps, on cherche la détente. On ne cherche pas à tout prix maintenant, on est en fin de séance, l'amplitude. On a travaillé ça en début de séance, l'amplitude, l'ouverture. Maintenant, on cherche la détente. Simplement, à chaque expire, on cherche le relâchement. Petit à petit, je vous invite à venir vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir pour clôturer cette petite séance. On va essayer de se concentrer sur le ressenti. Différentes zones de notre corps, la difficulté parfois de tenir une posture. Manifestez votre gratitude à votre corps pour vous avoir supporté pendant cette séance. Je vous invite à chanter le home final. Et la gratitude à l'univers.